Voilà. Bon, on a une parabole à réparer, nous, putain. C'est un truc de ouf. T'as la mission, sa mère. C'est comme si on dit, vas-y, va réparer ma bagnole. Oui. J'ai rien volé, je vous jure. Je suis quelqu'un de... Autre chose vous préoccupe, hein? Bah, non, ça va, et toi? Oui, je voulais tomber dans le trou, là. Parce qu'il y a un trou, là, et je voulais y tomber dedans. Pour voir où ça mène. Mais ça mène là, quoi. De ce behemoth. Ouais bah ouais j'ai vu. J'ai vu hein, c'est moi qui l'a tué. Oh trop beau, regardez. Ce que je vous offre comme panorama. Ils sont tous morts putain. Tous les personnes qui faisaient la garde, ils sont tous morts. On va les compter, il y en a un. 2, 3, 4. Pour ça, j'en ai 4. 5. Ouais, bah, il y en a 5 quoi. Pour ça, il y a 5 cadavres, putain. Ils sont fait défoncer, putain. On n'oubliera jamais ce triste jour de dimanche 15 septembre 2077. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, alors... mais le problème, c'est que je suis venu ici, mais je me suis trompé dans l'endroit. Ouais, parce que c'était pas ici que je devais aller. Pas du tout. Super Dumper Market. Ah, mais ça me parle ça. Oh, c'est quoi ça? En raison des problèmes de sécurité, le mot de passe du terminal contrôlé de la porte d'accès au Washington Monument récemment a été modifié. Le nouveau mot de passe est Renfield. Paladin Berlin, deuxième déclarement de défense monument. Okay, okay. Et ça c'est... Ça doit être la parabole qui veut que j'active, je crois. Alors, centre commercial de Paradise Five, Super Duper Mart. Ah non, c'est même pas alors. Ah bah si, c'était là. Mais déplacement rapide impossible tant que les ennemis sont à proximité. Ah ouais, bon, effectivement. On va reculer un peu. Voilà. Mais comme j'y ai déjà été, à mon avis, j'ai déjà trouvé toutes les bouteilles qu'il devait avoir. Ouais. On va faire un tour vite fait. Hein. Voilà qu'on retourne aussi à Mécaton. Hein. À Mécaton. À Mécaton. Pour revoir l'autre là. Ouais, je les ai tous trouvés. Hein. Ça, je vais bien. Comme je suis déjà passé par là, à mon avis, j'ai dû déjà tous les prendre.
pense pas qu'il y en a sur les rayons. Sans les bouteilles, ils sont normalement très voyantes, donc... Normalement, je devrais les voir assez facilement. Ouais, il devait être, même être là, les bouteilles, dans l'entrepôt de stockage. Il faut que je croise un marchand pour lui acheter une nouvelle armure, parce qu'elle est tombée. Ouais, j'ai tout loot ici. Hein. Ça c'était pour activer le robot qui est dead. Putain, j'ai pas pris ça, putain. Oh le ouf. Je suis ouf, putain. Ah ouais, même ils étaient dedans. Je me rappelle. Ils étaient dans les boîtes. Mais là, il y en a une qui est pas ouverte. De Nuka. Allez, ouvre. Ok. Bon, bah ici, je les ai tous pris. Putain, ces portes qui s'ouvrent vers l'intérieur, ça fait chier. C'est gore. C'est totalement gore. Bon, dégage le caddie. Bon, ben on va aller... peut-être qu'il y en a peut-être encore une ici, je sais pas, non? Après les caisses, non, il n'y a que deux. Hein. Moi aussi, j'ai regardé. Ok, bon, ben il n'y a que dalle. Alors c'est où que maintenant je dois aller pour trouver des trucs? Pour espérer trouver des autres bouteilles. Alors ça c'est fait. Centre commercial de Paradise Files. Ou épicerie. Mais fait que les... Épicerie d'Old Honey. Ou Paradise Files, ok. Ah, Paradise Ball. Ah, c'est pas là où il y a des riders? Parce que là j'arrive... Ah ouais, bah c'est ce que je pensais. Ah non, attends, ça, ça me tire dessus là. Non? J'ai cru voir une balle. Faut que je mette un truc comme ça. J'ai l'impression que je me déplace tout le temps la nuit, moi, putain. Oh, putain. Genre de monstre que j'ai pas envie d'affronter. Donc on va essayer de le contourner, mais je suis... Non, mais tombe pas.
Un supermarché. Un célébrote. J'ai trouvé une conversation, mais non. J'en ai pas, putain. Un scorpion. Fusil de chasse. Quel côté? Il y a la musique assez déclenchée, mais par le scorpion. Ouais, bon, bref, c'était le scorpion. Paradise File. Ah, il y a des... Il y a un doc. Qu'est-ce que c'est ici? Où est-ce que j'ai atterri? Ah, mais c'est un border. Ah, bienvenue, brave nomade. Vous semblez avoir besoin de détente et de la meilleure assistance artificielle. Eh bien, vous êtes au bon endroit, car je suis Doc Off. Distributeur des meilleurs produits médicaux et chimiques. Alors, que puis-je pour vous? Je veux savoir des choses sur cette caravane marchande. Je fournis nourriture, boissons et substances chimiques aux clients avisés. J'apaise les souffrances de mon prochain. Contre rémunération. Je n'ai pas de siège à proprement parler, mais j'organise l'essentiel de mes échanges avec Ernest Rowe de Canterbury Commons. Ok, je suis là pour faire des achats. Ah, on vient voir ce que le bon docteur a dans sa trousse magique, hein? Et alors, pierre, blanco, crème, au fur et à mesure. J'en accorde ça, moi? J'en ai 12. Non, j'en ai pas 12, j'en ai 3. Voilà, Stingpax. Alors, comme... c'est quoi ça? Blanc grenade Nuka. Un plan pour faire des grenades avec les bouteilles de Nuka. Bière. Il n'a pas de vêtements, lui, non. Ok. Merci. Faut que j'y aille. Adieu. Et prudence sur la route. Mais de même. Attends, non, j'ai des trucs à vendre, toi, putain, je suis con. On cherche quelque chose de... Dites-moi ce qu'il vous faut. Alors, t'as un sens, hein. Alors, armes, vêtements, aides divers, alors... C'est quoi ça, un émotin? Une bouteille de lait. Ça produit poison. C'est
Ah, c'est des bouteilles de lait vide en fait. Ok, super. Bouteilles de lait, boîte de détergent, camion Nuka, conducteur, 19, ferraille, marteau, ouais, marteau, module de capteur. Ça, je sais pas ce que c'est. Pile fusion, pistolet peinture, pétard. Ouais, je voulais voir du. Je sais pas. Ok, pistolet fusion, j'en ai 5, ça vaut beaucoup quand même. Je vais en garder 2 quand même. Quoique. En ferraille. Carburant de lance-flamme, ouais, je vais lui vendre. Voilà. Ça fait toujours plaisir de satisfaire la clientèle. On se... Ouais, on verra si on se reverra. Lui, c'est le mec qui doit protéger la caravane. C'est pas là-dedans où il y a les négriers. Et qu'ils ont des esclaves et tout, il me semble, hein. Il me semble que c'est ici, mais je suis pas sûr. On va pas tarder à le savoir, on va pas tarder à le savoir. Où est l'entrée, putain de tasse de merde? Je sais pas, mais elle est loin. Hein. Ok, 5 balles. 5 balles dans le chargeur. Alors bon, visiblement, faut peut-être rentrer par là, je sais pas. Non, j'ai pas la pression. Non, c'est plutôt de l'autre côté, putain. Pas aller là, non. Putain, la vache. Bon. De Dieu. Attends un peu. On entre dans Paradise Falls que si on y vient pour affaires. Et c'est moi qui décide des affaires. C'est quoi? Alors je peux monter? Toi? Ah, je crois pas. T'es pas vraiment... Bah disons que t'aurais du mal à t'intégrer. Alors, si tu faisais demi-tour pour retourner d'où tu viens... Je n'ai pas le temps de bavarder avec les sous-fifres, laissez-moi passer. Ouais, d'accord. Joue les petits malins. On va voir où ça te mène. Tout le monde a pris, alors? Ouais, tout le monde a appris. C'est quoi votre problème? Ouais, on s'en fout. On pourrait peut-être s'arranger. Mais ce sera cher. Si je me porte garant pour toi et que tu déconnes, c'est moi qui vais payer. Je crois que 500 capsules, ça ferait un bon prix. Qu'est-ce que t'en dis? Merci, c'est un plaisir de faire affaire avec toi. Amuse-toi bien à Paradise Falls. Conseil d'amis, joue pas au con. T'auras pas de deuxième chance. Toi non plus. Toi non plus, mon gars. Je le garantis. Quoi? Je garde la porte, c'est tout. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je garde... Mais je garde juste une porte, c'est tout. Mais laissez-moi tranquille. Laissez ma porte tranquille. Ne la frappe... Non, vous touchez pas la clanche. Non, vous... Non, mais touchez pas la porte, je vous dis. Putain... Connard.
T'as failli me tirer dessus, connard, hein. Carter est mort. Carter, na. Oh, la lune, on la voit bien. Voilà. Ah, oh, mon Dieu, monsieur. Il faut nous aider. Il faut nous sortir de là. Oh, je sais pas. Tu dois nous aider. Il le faut. Je ne peux pas continuer à te parler. Ou il va me tirer dessus. Hé, hey, on s'éloigne du mioche. Qu'est-ce que tu regardes, hein? Ouais, rien du tout. Un sacré coup de bol. Il a bien failli filer. Comment avez-vous fait exploser la tête de cette urne? Ils ne risquent pas d'aller bien loin. Pas avec leur collier. Ce connard aurait dû le savoir. Ouais, ils ont un collier autour du cou et si... ils essaient de s'enfuir, ben ça fait... Badaboum. Est-ce qu'il y a des mines ici? Je sens. Je sens qu'il y a des mines ici, je sens. Non. Bref. C'est là-dedans que ça se passe, quoi. Ça vous dit qu'on y a qui fasse jour un peu, putain. Voilà. Ça fait chier, putain. Voilà, merci. Tudum. Paradise Pal Shopping Center. Ah, c'est bien, putain, la vache. Voilà. Ah, mais ils vont pas prendre mes armes? Si, putain. Vous êtes con ou quoi? Ça sent la viande. En avant. C'est calme par ici. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de belles rafles. Alors, il y a quoi ici et qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de trucs à prendre, hein. C'est quoi ça? Tuyau de plomb. On est à moto. T'as les pneus. Ok, il y a un pneu. Bonjour monsieur. Des armes et encore des armes. Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous fabriquez beaucoup de choses. Vous êtes plutôt isolé. Qu'est-ce que vous trouvez votre... ouais, c'est bon. Eh ben, les mecs m'apportent généralement ce qu'ils trouvent en mission. Je veux dire, il y a toujours quelques cadavres quand on ramène du bétail. Vous savez, il y a quelques gardes. Le père se prend pour un héros et sort un flingue, ce genre de choses. Alors ils me ramènent le matos. Et tout ce que je récupère vient d'eux, ou presque. Et ils se gardent le meilleur matériel. Alors vous ne récupérez que le reste? Ouais, c'est ça. Les radins. Comment je peux gagner ma vie s'ils sont pas réglo avec moi? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous ayez du ravitaillement correct? Il faudrait que j'aie de meilleurs trucs à proposer. Si j'avais ce que demandent ces sacs à vin, ils m'apporteraient du meilleur matériel. Vous savez, je suis tout seul ici. Je sors pas souvent. Alors je dépends de ce que m'apportent ces connards. Ah, putain de marché libre. Besoin de quoi? Je pourrais peut-être apporter des choses à troquer. Je trouve ça un peu dur, mais les affaires sont les affaires. C'est du lourd maintenant. La ferme et vendez-moi ce que vous avez déjà. Ouais, c'est vrai. Il vous fallait autre chose? Vous fabriquez beaucoup de choses? Ouais, pas mal. Je démonte, je remonte. C'est pas si dur. Des fois, je conçois même des armes. Il faudrait que vous repariez. Vas-y, je vais faire ça. Je vais vous dire, pour des nullards des terres désolées, les gars trouvent des super trucs sur le bétail qu'ils ramènent. Armure de cuir. Je peux pas, putain. Alors, voyons les armes qu'il a. Un fusil à canon scié. 31 de dégâts, ça fait, putain. Pistolet 32, ouais. En vêtements, il a armure de cuir. Je suis intéressé par son armure de cuir, moi.
Il y en a deux. Petit Pax, ouais, ça, bah, je prends. Hein. Obligé. Des cartouches, je prends aussi. Hop. Pareil. Pistolet 32, fusil canoncier. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Pourquoi pas, vas-y, hop. Casque soudain, s'en fout. Ok. Faites-moi signe si vous avez besoin d'autre chose. Salut. C'est un peu con ce que j'ai fait. Attendez, je vais juste regarder un truc. Ça c'est non, il faut que je charge, mais que je charge quand j'ai passé la porte. Ah ici là, parfait. Voilà. C'est ici qu'il dort. Il y a quoi sur lui? Alors, il y a des cartouches. Ouais, bon, en fait, c'est con. Putain. Salut. Salut. Des armes, des... Ouais. Non. Alors. Ouais, tenue des chameurs. Donc de toute façon déjà là je vois qu'il a rien, tout ce qu'il m'a vendu il les a pas sur lui, donc il les cache quelque part, il doit les cacher quelque part. Mais où? Là j'ai une clé, donc une clé qui doit logiquement ouvrir un coffre-fort ou un bordel dans le genre. Faut que je trouve ça. Ça va être par là à mon avis. Ouais. Putain je vois rien. Ah. Ben tout ce qu'il vend, il est ici. Ok, ok, c'est bon à savoir ça. Ouais, c'est pas que s'il y en avait deux. Il en avait deux. Capsule sera en avait deux. Merde, putain, c'est pas ça que je voulais faire, putain. Qu'est-ce que je vais faire? Je me trompe, putain. Combien il avait Steam Packs? Parce que là il avait deux Steam Packs là sur lui. Dans le truc, et je veux savoir combien il en a. Salut. S'il est bon. Des armes, des armes. Ah là, il en a 7, voilà. Ah, c'est bizarre ça. Donc si je le tue, je peux récupérer 2 Steam Packs seulement. Alors que si je le tue pas, j'en récupère 7. Et honorable, ça plus que 2 mec. Ouais, donc bon, donc je vais revenir à la truc là. Ouais mais avec les sous que t'as. Toi et plus de sous mec.
Je crois qu'il a 300 de capsules. Ah, non, il a 200 capsules. Il a seulement 200, lui. Il vous faut des armes? Non, ta gueule, putain, je me trompe à chaque fois. À plus tard. Ouais, c'est bien, on dégage. On fait la même chose, putain. Regardez ce qu'on a là. Non! Ouais, 200. Et c'est une Pax, mais il en a que deux là. Alors que quand il m'en vend, il en a. Mais il en a 7. Donc vous avez. Bah ouais, donc les zombies. Je préfère pas le tuer maintenant, ça sert à rien. Et je préfère bah, voilà, que je revienne ici. Voilà, là j'ai fait mes achats, j'ai acheté ces 7 Steam Packs. Bon ouais, mais on parle. Ah, mais est-ce qu'il a des bouteilles lui? Des bouteilles de ce que vous savez. J'en ai pas vu, hein. Il vous faut des armes? J'en ai. Arme. Non, je crois qu'il a rien. Non. À plus tard. Salut. L'armure. Alors, voyons l'armure. Voilà. On peut voir ça? Merde. Ah, c'est mieux! C'est ce que je veux avoir. Le gilet à minigun. Vous avez pris quelque chose récemment? Pourquoi? Caserne des négriers. C'est quoi ça? C'est des poubelles? Attention, d'accord? Tiens, 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 tiens. Oh, c'est un feu. C'est un feu de circulation. Ok. Il s'amuse au pong. De la bière, bière, hein. Du lait. Merde, putain. Non, Lucas. Qui est? Jotun. Jotun? C'est votre nom? Oui, Jotun. Eh bien, enchanté, Jotun. Qu'est-ce que c'est que ce nom débile? Non, vous mentez là. Qu'est-ce que vous voulez? Je veille sur mon père. Ouais, c'est un sacré travail. Ouais, à plus. Comment ça change de ton du coup? Sur votre père? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je veux te parler, c'est tout, Carolina. Eh, hey, regardez ce qu'on a là. De la viande fraîche, venue tout droit des terres désolées. Tu veux aller direct dans l'enclos avec les autres ou il faut que je te cogne pour t'y traîner? Pourquoi une telle méchanceté? Je ne suis pas méchante, vraiment pas. Pour la méchanceté, tu aurais dû voir mon père. Cet enfoiré t'aurait arraché les jambes rien que pour se marrer en te regardant ramper. Je l'ai vu faire une fois. Il s'est marré en regardant ce pauvre type. Au bout d'une heure, il lui a cassé la tête avec une pierre. Quand j'y repense, c'était assez marrant quand même. À plus tard. Et t'as pas dit, je vais t'arracher les yeux et tout. J'ai vu mon père le faire devant moi, c'était horrible. Mais c'était marrant en fait. Allez, à plus tard. Ouais, non, ouais, la meuf. Toi, t'es bloqué, hein. Il est bloqué. Il est bloqué. Incroyable, il est bloqué. Tu changes de lit comme de slip. Oh, je peux dormir ici. C'est bon ça.
Bon, bah ici, y a rien qui m'intéresse. Oui. Rien. Attends, mais je t'ai parlé à toi? Non, je t'ai pas parlé à toi. Non, bah c'est un négrier, donc il a pas de nom, on s'en fout. Porte vers clinique. Ils sont vraiment bien équipés, ces fils de pute. Je vous ai à l'œil. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi tranquille. J'ai rien fait. Pas rien, je... Ah, elle peut me soigner contre les radiations, elle? Je pense que oui. Vous êtes dans un état? J'espère que vous avez beaucoup d'argent sur vous. Je suis blessé, j'ai besoin d'aide, Doc. Je crois que je suis accro à un truc. Il y a moyen de me soigner pour sa radiation. Je peux avoir de la dope. Je veux acheter du matériel médical. Ouais, ça, je vais après tu verras. C'est bien ce qu'il me semblait. Bien sûr que je peux vous aider, mais ce n'est pas gratuit. 50 capsules. À prendre ou à laisser. Vas-y. D'accord, on ne bouge pas. Je ne veux pas rendre ça plus douloureux que ça ne l'est déjà. Soignez-moi vite, je souffre de martyr. De Martine. De Martine. C'était mon ex. Bouquel. Et voilà, c'est mieux, grand bébé. Il vous fallait autre chose? Non. Un bisou, un câlin. Oh là là, un petit câlin. Est-ce que je lui achète des Steam Packs à une? Vous êtes dans un état? Quoi, ça va, je suis blessé, mais je suis pas blessé, etc. Il y a moyen de me soigner pour sa radiation. Je veux acheter du matériel médical. L'argent d'abord. Ensuite, vous aurez les marchandises. Bah, ça se passe toujours comme ça, de toute façon. Que... Oh la vache, elle en a 16. Ouais. Si malencontreusement, je lui colle des balles dans la tête... Ok, mon karma il a grave augmenté alors que j'ai tué quelqu'un. Clé de réserve médicale, ok, elle en avait 16. Et la réserve médicale elle est là. Et il y en a combien de temps? Alors, Simpax elle en a 4 tout d'un coup, ouais putain. Mais elle aura de l'argent mec. C'est vrai, donc c'est remboursé quoi. Ok d'accord, ça marche. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire, je vais lui acheter quand même. Vous êtes dans un état? Tant mieux, parce que vos capsules m'intéressent. Bah tu peux les avoir, les capsules, tu vas les avoir. Dans ta gueule! Ça coûte cher la vie. Mais bon. Il faut ce qu'il faut. Du Radaway. J'en ai encore beaucoup de Radaway, moi. Après, du Radaway, ouais, c'est contre les radiations. Donc c'est pour enlever le. Est-ce que j'en ai encore? Putain, les Radaway. Alors. Radaway, j'en ai 27. Ouais, donc non, c'est bon. Là il y en a du... Alors ça c'est quoi? Résistance aux radiations plus 44, ouais. J'en ai 21, donc j'en ai pas besoin. Du Medex c'est quoi? C'est résistance aux dégâts plus 25. Alors ça j'en ai peut-être besoin ça. Ouais. Je sais pas si j'en ai encore. J'en ai 3, ouais, donc je vais lui acheter. Mais non, mais n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Non. Non, je veux pas lui vendre, je vais lui... Attends, non mais je suis en train de... Ah si, c'est ça, je suis con. Elle en a 4 quoi. Et voilà. C'est bon. Je vais acheter tout ce que je voulais. Faites-moi signe si vous avez besoin d'autre chose. Ok, ça va. Salut. Salut. Comment elle est gentille maintenant que je lui ai donné des capsules. Ah, ça marche comme ça ici, à ce que je vois. Hé, hein. Hey, il faut faire attention. Bah j'ai rien fait. J'ai rien fait. Ouais. Bon bref, il n'y a pas de canette ici aussi, donc ouais, t'as fou, je sais rien. Ok, ok. Bon, on a fait un stock pas mal de Radaway, hein. Ouais, bah oui, de Simpax et tout, là. C'est cool. Je suis content. Tiens, ils m'ont laissé entrer avec tous mes armes, c'est des niqués. Ils savent pas qui je suis. Mais ils sont fous, ils savent pas qu'ils vont tous mourir. On regarde où on met les pieds. Négrier, je m'en bats les couilles. 40. Je suis occupé, alors va chier. Si tu veux faire affaire, va voir Eulogy. Ok, c'est cool. Attention. Oui, je fais attention. Eh, hey, de retour. Trouver des trucs bien? Ouais. Crèche. C'est une crèche. Ça marche pas, donc on éteint, les gars. C'est quoi, c'est un casque, ça?
casque de combat. Mon karma, il n'a même pas bougé. Normalement, quand je vole un truc, bah, ça fait votre karma. Waouh! Oh, les Injos, mais t'es un magicien, mec! Vous semblez à la recherche d'une bonne affaire. J'espère que Paradise Falls comblera vos désirs. Nous ne nous permettons ni jugement, ni supposition. Nous savons que le monde où nous vivons est dur, et qu'il est difficile d'y vivre. Alors, vous recherchez quelque chose en particulier? Je songeais à acheter des esclaves. Vous tenez des gamins, je les veux. Vous tenez des gamins, je les veux. Okay. Il faut que j'y aille. Non. Eh bien, nous sommes faits pour nous entendre. Vous voulez acheter des esclaves, et moi j'en vends. On a de magnifiques spécimens. Vous avez eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil? Non, pas vraiment. Les enfants, je crois qu'il y en a 3, c'est ça? Je suis pas encore allé les voir, non. J'ai changé. Eh bien, vous devriez. Allez jeter un coup d'œil au cas où quelque chose correspondrait à vos besoins. Je tiens à signaler que nous avons plusieurs enfants. C'est une marchandise assez rare. Un excellent investissement à long terme. Nous discuterons des détails lorsque vous aurez vu nos marchandises. Ok. Mais si j'achète les enfants, ils restent vraiment avec moi ou non? Ou en fait, je les achète, ils sont automatiquement libérés. Salut, mon chou. Quoi? Tu vois quelque chose qui te plaît? Ok, elles vont où elles? Elles ont couru tout d'un coup. Ah oui, c'est lui que je me rappelais, avec le lit en forme de cœur et tout. Ouh là là, ce que je vois. Ouh, mon Dieu, c'est tout l'or du monde qui est en face de moi. Poupée discours. Vous allez trouver une poupée Voltaire qui agite la tête et audition limitée. Il est inscrit ceci sur le socle. Que vos paroles soient des armes. Votre compétence discours a augmenté à titre permanente de 10. Cool. J'adore les poupées. Moyen. Ouais. Donc ouais, bah ici ils vendent des esclaves quoi. Et même des enfants esclaves. Si c'est pas mais horrible quand même. C'est pour monter en haut ça. Tchou. Quoi je te paye? T'as vu comment c'est ici? C'est quoi cette histoire? Je vois rien qui cloche ici. Tout m'a l'air d'aller bien. Tu es devenu aveugle, 40? Est-ce qu'il faut que je remplace mon second devenu aveugle? Regarde, tu vois de quoi je veux parler maintenant? D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je m'en occupe tout de suite, Logie. 40? Si t'étais encore plus bête, je te transformerais en poteau indicateur. C'est l'heure d'aller examiner la marchandise. Monsieur Logie. Monsieur Logie. On peut discuter une seconde? Enfin... Quoi que tu aies à dire, ça peut attendre. Tu as fait un tour avec Emile. Je sais. Je voulais te parler que nous... Vous avez fait de belles prises. Tu sais... Tu parlais en communiste ou quoi? Oui, monsieur. Vous connaissez le topo. Pardon, monsieur. Et ça l'a jamais... Oui, papa. D'accord, papa. Clover, on a déjà discuté de ça. Tu restes avec moi tout le temps. Oui, papa. Désolée. Vraiment désolée. Qu'est-ce que tu veux? Oui, papa. Maintenant, il y a quoi dans le coffre-fort? On s'en fout. On va voir la marchandise, ok? Je me voudrais bien me trimballer avec quelques esclaves à mon service. Désolé, vraiment. Qu'est-ce que ça a donné, cette... Dis-moi ce que tu veux. Bon, là j'ai été là où j'ai pas été là-bas. Ah, c'est Corina, on a tu déjà vu. Je sens les terres désolées. Terminé. Pitié. Non, non, j'ai rien fait. Je jure. C'était ta dernière erreur, petit par. Quels sont les besoins? À plus tard. Hey, Jotun. Comment va le vieux?
Salut, moi c'est Ymir. D'où venez-vous? C'est important? Non. L'important, c'est l'endroit où je suis. Et c'est ici. J'ai mon garçon, mes amis, des tas de capsules et de quoi boire. Pourquoi s'embêter avec le passé quand le présent est aussi agréable? Ouais, c'est vrai. Salut. Bon, lui, je lui ai sauvé la vie pour info. Hein. Parce que si je lui aurais pas parlé, il aurait éclaté la tête de lui, en fait. Quels sont les besoins? Salut. Il n'y a aucun besoin, tu vois rien. Ouais. Et il n'a pas tué, grâce à moi. Vous avez vu ça un peu? Carolina? C'est mignon. Va jouer. Oh, Jotun s'en est pris une belle l'autre soir. J'ai cru qu'il allait y rester. Et pas qu'un peu. Je suis fier de lui. On jurerait que c'est un poivreau de vocation, comme son père. C'est juste, ouais, alors lui c'est le fils de lui. C'est l'objectif qu'il devrait vraiment, tu sais, viser. Je sais, c'est le meilleur fils qu'un négrier puisse rêver d'avoir. Écoute. Tu sens les terres désolées. Bah je suis désolé, oh là. Qu'est-ce que ça a donné cette rafle? Ça, hein, j'étais pas avec eux, connard. Bref. La marchandise, m'a-t-il dit. On va voir la marchandise. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi là-dedans? Y'a rien là? Ok. Ah bah elle est là-bas, la marchandise. Nécessite une clé? Ah ouais, carrément. Y'a quelqu'un dedans ou quoi là? Ah, je crois qu'ils enferment les gens là-dedans. Quand ils sont méchants. Alors, porte vers toilette. Des toilettes, intéressant. Ouais, mais j'ai pas trouvé de... Ben, ce que je cherchais, hein. J'ai pas trouvé de... De cotum pour l'instant, hein. Grille d'égout vers Paradise Pile. Ah ouais. L'ouverture est trop petite pour vous y glisser. Mais un enfant pourrait. Ouais, je sais qu'il y a une histoire comme ça où je vais pouvoir faire en sorte que les enfants se barrent discretos. Bon. Faut que je fasse ça pour pas que le... Et toi? Salut. Salut. Hé, hey, monsieur, tu peux nous sortir d'ici? J'ai affaire à qui? Je m'appelle Sammy, je suis de Little Lamplight. L'écureuil Penny et moi, on n'est pas censé être ici. Il faut qu'on rentre chez nous. Tu dois nous aider à nous tirer d'ici. Pourquoi apporterais-je mon aide? Qu'est-ce que j'y gagnerais? Comment faire pour vous sortir de là? Tu ne peux pas tous leur tirer dessus? T'es niqué, quoi. Pas question, je veux pas les affronter tous. Non? C'est sûr? Bon, d'accord. J'imagine qu'on peut essayer avec le plan de l'écureuil. Il dit que ça va marcher, mais j'en suis pas si sûr. Les ordinateurs et tout... Attends, je vais chercher l'écureuil, et il va t'expliquer son plan. J'ai pas bien tout compris. L'écureuil, ok. Eh, c'est le Virloc. Va lui parler. Comment tu m'as appelé, toi? C'est toi, le Virloc qui nous aide, hein? Sammy dit que tu veux connaître le plan. Alors écoute bien, Virloc, parce que c'est un bon plan. Je suis super malin. Je veux simplement savoir ce que je veux faire. Ok, raconte-moi ton plan. Viens-t'en, au fait, Minus. D'accord, mais c'est bien pensé. Tu peux me croire, vraiment. Il faut désactiver les colliers, ou alors on y laissera la tête quand on voudra sortir. Pas question. Alors on va se servir d'un terminal. Je peux utiliser le terminal qui est ici. Mais il faut d'abord l'intégrer au réseau. Le terminal principal est chez le patron. Alors à toi de jouer. Pourquoi je ferais ça? Vous êtes tous moches. Où est le terminal? Quoi? Je n'assure pas. Où est le terminal? Je te l'ai dit, il est chez leur patron. Tu dois réussir à te faufiler là-bas. Ah oui, ça va. À toi de voir comment faire, Virloc. T'es vraiment débile, hein?
Je viens de t'expliquer le plan. Je n'ai pas d'autre solution. Génial! Alors on va rester coincé ici parce que tu crains. Ouais, exactement. Pas de bêtises, hein? Ta gueule! Je vais le tuer, je vais le tuer. Il faut que je le tue. Je sens une force irrésistible. On est dans le même camp! Bronson, mon gars. Ça suffit là! Ouais, t'aimes ça, hein? Hein, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mieux vaut ne pas recommencer. Dernier avertissement. Dernier avertissement. Tiens. Mieux vaut ne pas recommencer. Ok. Dernier avertissement. Ok, dernier avertissement. Hey, Verloc, on fout le camp dis. Alors. Je vais tuer, je vais tous les tuer. J'ai pas une épée, tiens, je vais prendre une épée. Bon, je vais prendre ça. Si, hein. Ça fait 30 ans que tu sortiras jamais d'ici, t'es trop moche. Attention! T'es trop moche. Oh oui, mieux vaut ne pas recommencer. Dernier avertissement. Voilà. T'es trop moche toi, tu sortiras jamais d'ici. C'est qui là-bas? Désolé que ce soit ce que salut tu penses. Alors, tu nous libères ou pas? Pourquoi apporterai mon aile? Qu'est-ce que j'y gagne? Écoute, on n'a rien à faire ici. On vit à Little Lamplight. T'en as déjà entendu parler? Ouais, ouais, je pense. C'est pas là où il y a tous les gosses, en fait. Et quand ils grandissent, bah, ils se font virer. Ouais, j'en ai entendu parler. Eh ben, il faut qu'on parte d'ici pour retourner là-bas. Tout de suite. Alors, il faut que tu nous aides, d'accord? Tu ne peux pas tous leur tirer... Non. Eh ben, l'écureuil pense qu'il pourrait utiliser l'ordinateur qui est là pour désactiver l'écolier. L'écureuil s'y connaît en ordinateur, et ils ne savent pas qu'il l'a remis en état, celui-là. Mais... il n'est pas connecté? Attends, je vais chercher l'écureuil, et il te dira quoi faire. Non mais je m'en fous. C'est le Virloc. Va lui parler. Si c'est le cas, compte sur moi. Miss Janet. C'est une goule, elle. Ouais, c'est une goule. Janet, c'est une goule. Bronson. Bronson, bon sang, écoute-moi. Il boucle là. Ouais, ouais, bien sûr, Blake. Qu'est-ce que tu veux? Pour ce deal, ça marche toujours, hein? Tu sais ce que tu dois faire. Oh, ouais, 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 c'est sûr. Je vais y arriver. C'est bon, Bronson. Ne me déçois pas. Je sais ce que tu fabriques, ma fille, et j'ai deux mots à te dire à ce sujet. Tu vas la fermer avant qu'ils t'entendent. Écoute, je ne te juge pas. Si tu veux rester, d'accord. Je m'en fous. Mais ne viens pas me gêner. Il n'y a pas que toi que tu mets en danger, ma fille. Il faut te détendre. Bois ça avec toi. Ok, j'ai vu la marchandise. Elle est horrible. Elle est horrible, putain. Mais je voudrais bien tester à... J'aime bien, je veux acheter des gosses pour les... parce qu'ils ont pas été gentils avec moi. Un peu tout ça. Ça fait mauvais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Paradise Falls envisage toutes les propositions. Vous tenez des gamins, je les veux. C'est vrai? Ouais. Excellente nouvelle. Ouais. Ce seront de bons travailleurs, plein d'énergie. Parfait pour les petits travaux maintenant et costaud pour plus tard. Je suis sûr que nous allons trouver un arrangement, quelque chose dans vos prix. J'ai jamais dit que j'achetais, j'ai dit que je les voulais. Super, parlons argent. Pour commencer, je dirais 500 capsules pour chacun des petits. Sammy et Penny, si je me souviens bien. Quant à l'autre, l'écureuil, celui-là est malin. 500, ce serait un crime. Je pense à 1000 pour lui. Ce qui fait un total de 2000 capsules. 2000, c'est un peu beaucoup. 1200 pour les trois et une offre plus raisonnable. Je ne peux toujours pas me le permettre, ok? Pas question de payer un tel prix, laissez tomber. Mais moi je veux pas les trois, moi. Bah on va Je suppose que je peux faire un geste. Cool. Marché conclu. Les enfants sont à vous. Merci. Je vais les faire amener à la grande porte. Si je peux me permettre, surveillez-les de près. Ils ont un sacré caractère. Compte sur moi. T'en fais pas pour Eulogy. Papa ne fait pas attention à nous. Il se passe rien ici, on s'en va. Monsieur Eulogy, il faut qu'on parle. Les gosses sont à moi. ils sont plus là. Ah bah il les a ramenés près de la grande porte. Qu'est-ce que tu fais du coup? Qu'est-ce que tu fais? Oh! Si, mais regardez. Mais t'es un peu con, toi. Bien joué, Virloc.
Tirons-nous avant qu'il change d'avis. Non mais t'es à ma botte maintenant. Bien joué Virlock. Tirons-nous avant qu'il change d'avis. Tu es ma botte, tu dois m'obéir maintenant. Alors tu fermes ta gueule cool. Déjà. Vous avez quoi d'autre? Tu fermes ta gueule. Mieux vaut ne pas recommencer. Tu fermes ta gueule, tu fermes ta gueule de merde, petite mioche. Et tu essuies la merde qu'il y a sur mes pompes. Allez, essuie. Sale fils de chien, ton père, si tu voyais. Eh ben, il se retrouverait sur sa tombe, putain, espèce d'enculé de merde. T'es même pas capable de faire bien la vaisselle. Ah, ça fait du bien. Bon, j'en ai acheté 3 des gosses, ils sont où? Hey, comment ça s'est passé avec cette chose blonde que vous avez ramenée ici? Cette chose blonde que vous avez ramenée ici, d'accord, elle voit même pas. Ah, mais ils sont là, les gosses, hein. Pas trop mal, pas trop mal. Pardon. T'es qui, toi? Je crois qu'on peut rentrer à la maison maintenant. Allons-y. Chez moi, tu veux dire? Ben, c'est une manière de voir les choses. On aurait pu s'échapper, tu sais. Pour l'instant, on me suit hors du complexe, ensuite on discutera. Ne l'ébrute pas, tu ferais sauter notre recouverture. Si vous le dites. Allez les gars, on y va. Oh les jeunes, on y va. Les jeunes. Il y en avait 3, mais bon, je sais pas du quoi. Eh ben c'est bon, je suppose. Génial. Merci de nous avoir sorti de là, Virlock. On va rentrer à la maison maintenant. Si tu passes par là, viens nous dire bonjour. Je dirai au maire de ne pas te tirer dessus, ok? Oh, comment ça? Vous m'appartenez, les gars? Oh, oh, qu'est-ce que vous faites? Cool. Vous avez quoi d'autre? Vous m'appartenez. Tu bouges plus, toi. Attends, c'est un truc qui foire. Je veux de la médecine. Vous ne bougez plus, vous êtes à moi. Ou comment ça se fait ça? Tu devrais revenir à Little Lamplight un de ces jours, Virlock. Si tu repasses par Little Lamplight, c'est pas si mal en fait. Je dirais au maire que t'es quelqu'un. Ok. Ok, on va faire ça autrement. Là, je suis là, ok. C'est où ça? Salut toi la vache. Bon. Regarde-toi, Bronson, tu es une épave. Tu dois arrêter de... C'est toi le Virlock qui nous aide, hein? Putain les bugs. Samy dit... Bon, je veux sûrement savoir ce que je viens d'auto fait, Minus. D'accord. Mais c'est bien. Il faut. Je peux. Je m'assure pas trop. Ok, je te l'ai dit. Je m'assure pas trop. Il y a pas d'autre. Non. Oh allez. Vous êtes vraiment bon à rien, les Virlocks. Je suis qu'un gosse et je sais le faire. Pourquoi pas toi? Écoute, si tu sais pas faire ça, il y a peut-être un autre moyen, même pour une saleté de Virlock comme toi. Il y a un boîtier de dérivation sur le mur du réfectoire. Modifie quelques câblages et ça ira. Alors vas-y. Soit tu assures en répar... Génial! Pas de bêtises, hein? Mais tu crois vraiment que je vais t'aider comment tu me parles quoi? Qu'est-ce que je ferais d'autre? Bosser? Qu'ils aillent se faire foutre. Je préfère boire. De Dieu, bah. Qu'ils aillent se faire foutre, il sortira jamais d'ici, rien à branler. Hop. Qu'ils aillent se faire foutre. Bon, c'est pas tout ça, mais ils sont où les canettes? Il doit y avoir des canettes quelque part ici, c'est bien ici, hein. Salut. Ne commence pas, Crimson. Je suis pas d'humeur. C'est que la semaine dernière... Pourquoi continues-tu à parler quand je t'ai dit de te taire? Je ne veux plus avoir à me répéter. Pourquoi elle a une épée dans la main? Oui, monsieur. Pardon, monsieur. Je peux vous être utile? Vous tenez des nains. Faut que j'y aille. Paradise. Ok, alors je vais faire du pickpocket. J'espère qu'il n'y a personne ici, c'est bon, c'est nickel. Alors, on va sauvegarder avant. Attends, je vais tout leur piquer. Alors, entrez le mot de passe, s'il vous plaît.
4 sur 8. Ok, alors c'est E alors. Il y a un E et un A, non? C'est pas. Peut-être c'est majority. Putain, alors c'est sleeping alors, c'est normal. Mais t'avais pas sleeping. C'est où ça? Fais chier. Un sur 8, oh la vache. Avant tête 2 sur 8, oh, putain. Infected. Fais chier. Ah merde, il est 1h là. Bon, moi je vous laisse ici et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.